Ça, c'est les porte-parole de l'UNC qui parlent. C'est les Yemba. C'est les Yemba. C'est les Yemba. Non, c'est les Yemba. Vous êtes en fait, vous, là où vous êtes, vous n'entendez pas. Parce que ça fait quand même un moment depuis que Vital Kamerhe est à l'intérieur en train d'être entendu, si c'est le terme approprié. Alors, ça fait quand même longtemps, il est là depuis 13h30 et à l'extérieur il y a eu quand même quelques accrochages entre les militants et certaines personnes qui étaient là. Et donc c'est Sele Yemba qui vient de demander à tous ceux qui sont venus suivre Vital Kamerhe de garder le calme, de ne pas faire du désordre. Voilà, il est en train de rentrer parce que lui il est à l'intérieur. Il a transmis le message de Vital Kamerhe à ses partisans et à tous ceux qui sont venus le soutenir. Vital Kamerhe demande qu'il n'y ait pas du désordre pour permettre à ce que la procédure à l'intérieur se poursuive normalement. Et donc, c'est le message que Sele Yemba est venu donner. Et moi, je suis à quelques mètres de là. Le mégaphone n'avait pas aussi assez de piles, je crois. Donc, vous n'avez pas entendu. C'est-à-dire qu'on est là, on attend. Mais, n'a que au côté, on a qu'à parquer, parce que, je suis venue en retard. J'avais d'autres courses à effectuer, dans le cadre du travail toujours. Je suis allée faire ces courses. Si j'étais venue à 12h ou 11h, j'allais avoir accès. Parce que quand le directeur de cabinet, le chef de l'État est arrivé, la porte a été fermée. Et vous comprenez que, dans pareilles circonstances, il faut limiter l'accès à toute personne qui n'est pas concernée, notamment à la presse. Parce que généralement, c'est une procédure qui se tient à huis clos. Et donc, vous imaginez que quand il y a 7 journalistes à l'extérieur, à l'intérieur du parquet, souvent, c'est toujours pas bon. Il y a toujours des indiscrets. Et donc, la moindre des choses, c'est de limiter le nombre de personnes à l'intérieur pour ne pas créer de désordre et pour ne pas que ce qui se dit à l'intérieur puisse fuiter. Donc moi, je suis venue en retard et je me contente de l'extérieur, on attend. De toute façon, personne n'a accès dans la salle. Même ceux qui sont à l'intérieur du parquet sont dans l'enclos. Donc ils sont dans la parcelle. Ils sont debout dans la parcelle comme nous. La différence seulement, c'est qu'eux sont dans l'enclos du parquet et nous, nous sommes à l'extérieur du parquet. Donc voilà. Mais sinon, j'essaye. Bah, je coupe aussi parce que vous comprenez que je dois aussi préserver ma batterie. C'est même pas une question de méga, c'est la batterie du téléphone. J'ai un powerbank bien sûr, mais bon. Il faudrait faire aussi doucement, doucement. Là, vous voyez le boulevard. On va faire un zoom sur le boulevard, le Mumba. Ouf! Les gestes barrières ici. Avant, quand je voyais les maboke là comme ça, il faut aller à caca. Bah, maboke, oh, ils avaient appelé à moi Seben Nango. Bah, maboke, oh, on a bah, maman, on a bah, tambou ça. Ils appellent à moi Seben Nango. Mais qu'est-ce que la typhoïde, hein? Thank you.
Par exemple, c'est presque tout, hein. Eux, tu te donnes des sérieux pour donner des sérieux. Thank you.